إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، إياكم الله عز وجل. En cette soirée du samedi 24 Jumada al-Awwal, 24 Jumada al-Awwal 1431, ce qui correspond avec le 8 mai 2010. Nahnu insha Allah عز وجل, nous sommes dans le 7e cours. Naam. 7e cours du livre Les fondements de la foi de l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Le Cheikh dit alayhi rahmatullah: et fait partie de la foi au jour du jugement dernier. Qu'est-ce qui fait partie de la foi? D'ailleurs, bon, commence Allah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Le Cheikh dit alayhi rahmatullah, et fait partie de la foi au jour du jugement dernier. Qu'est-ce qui fait partie? On fait partie la foi en tout ce qui se déroule après la mort. En tout ce qui se déroule après la mort. Si quelqu'un va nier quelque chose qui a été prouvé, attesté par le Coran et le Hadith, de ce qui va se passer demain après la mort, ça deviendra quoi? Ça devient grave pour lui. C'est-à-dire il a nié une chose yani, qui a été attestée par le Coran. Il doit croire en tout ce qu'il y a yani, dans l'au-delà. Bien sûr, sauf si c'est un jahil, par exemple. C'est un jahil qui ne connaît pas. Par exemple, il ne sait pas qu'il y a la balance. Il ne sait pas qu'il y a le serat. Il ne sait pas qu'il y a la passerelle. Il ne sait pas que... Non, cela est relatif. Non, les connaissances, comme vous le savez, même dans le din, sont relatives. Comme a dit Allah Ta'ala, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, au-dessus de chaque savant, au-dessus de chaque personne qui a de la science, il y a quelqu'un de plus savant. Donc, on doit croire en tout ce qui se déroule après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Beaucoup, beaucoup de choses. On va se suffire à deux choses aujourd'hui. La première, l'épreuve dans la tombe. Et la deuxième, les châtiments et les délices dans la tombe. Premièrement, l'épreuve dans la tombe. Dès son enterrement et son inhumation, le défunt est questionné par les deux anges, Munkar et Nakir. Le défunt est questionné par les deux anges, Munkar et Nakir. Au sujet de quoi? Au sujet de son seigneur, de sa religion et de son prophète. Alors ici, j'ouvre une parenthèse, parce que quelques savants, et entre parenthèses aussi, se sont trompés, on dit que Munkar et Nakir, c'est seulement pour les koufars. Alors que pour les croyants, viendront deux anges qui s'appelleront Bashir et Mubashir. Bashir. Or, je dis cela, ces deux noms-là n'existent pas dans la Sunna. La Sunna, c'est suffise à ces deux noms, Munkar et Nakir, pour les croyants et pour les musulmans. Alors, ils vont questionner le défunt au sujet de son Seigneur, de sa religion et de son prophète. Alors, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal affermit et soutient les croyants par une parole ferme. Et le défunt, celui qui sera croyant, répondra par « Allah est mon Seigneur ».
l'islam est ma religion et Mohammed est mon prophète. Par contre, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal égarera les oppresseurs. Le mécréant répondra par « Oh, oh, je ne sais pas. » Il n'a pas de réponse. Et l'hypocrite et celui qui doutait vont dire « Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, puis je l'ai répété. » Rapporté par Al-Bukhari. Donc, ce qu'on a cité là, c'est pour prouver que lorsque le défunt sera inhumé et enterré, il y aura deux anges qui vont venir vers lui pour lui poser les trois questions qu'on vient de citer. Deuxièmement, les châtiments et les délices dans le tombeau. Les châtiments de la tombe touchent les oppresseurs musulmans et mécréants, les hypocrites et les mécréants. Allah Azza wa Jal a dit à ce sujet, sourate Al-An'am, les bestiaux, verset numéro 93, sourate Al-An'am, verset numéro 93. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu voyais les injustes, si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains en disant, laissez sortir vos âmes. Et que les anges leur tendront les mains en disant, laissez sortir vos âmes. Je dis ici, leur tendront les mains, ça veut dire, yani, les frapperont avec les mains. C'est ça, tendre la main, c'est pour frapper. Donc les anges frapperont, et qui? Les mécréants pour leur faire sortir leurs âmes. En disant, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, et parce que vous vous détournez orgueusement de ses enseignements. Sourate Al-An'am, verset 93. Muslim, Rawaba, il n'y a pas de verset. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sourate Ghafir, 45-46, verset 45, verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors que le pire châtiment cerna les partisans de Pharaon, le feu auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour où leur arrivera, il leur sera dit, faites entrer les gens du Pharaon au plus dur du châtiment. Taïb. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir, et le jour où leur arrivera, il leur sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tombe, il y a un feu pour les mécréants. Un feu qu'ils vont voir matin et soir. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Et en contrepartie, bien sûr, le croyant aura un paradis. Il sera exposé à un paradis matin et soir jusqu'à ce que vienne leur bi'idnillahi subhanahu wa azzawajal. Naam. Alors, Muslim rapporte d'après Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des tombes des gens qui ont vécu avant l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ces gens subissent des châtiments tels que je n'ose vous le faire entendre. Pourquoi? Car je crains qu'en les entendant, vous ne cessiez d'enterrer vos morts. Alhamdoulilah, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que on ne peut pas entendre ce qui se passe dans les tombes. Car si Allah subhanahu wa ta'ala nous faisait entendre les châtiments que subissent les gens qui sont dans les tombes, alors personne n'osera approcher le cimetière. Personne. Il n'y aura aucune personne qui pourra aller rendre visite aux morts au cimetière ou alors aller là-bas pour enterrer son père ou sa mère.
tellement il aura peur, tellement il aura yani, des cris, etc., de ce qu'il subisse. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en se retournant vers ses compagnons, il leur a dit, priez Allah. Priez Allah de nous préserver du supplice du feu. Priez Allah de nous préserver des châtiments de la tombe. Priez Allah de nous préserver des fitnas apparentes et discrètes et des épreuves de l'antéchrist, le Messie Dajjal. Alors les compagnons se mirent à prier Allah Azza wa Jalla. En revanche, les croyants sincères, quand ils seront dans leur tombe, ils jouiront des délices de la tombe. Ils jouiront des délices de la tombe. Allah Ta'ala a dit, Allah Ta'ala a dit, Sourate Fussilat, verset 30. Ceux qui disent, Inna alladhina qalu, notre Seigneur est Allah, Rabbun Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin. Thumastaqamu, les anges descendent sur eux au moment de la mort. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? N'ayez aucune crainte et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Subhanallah al-Azim. Les anges qui vont venir, bien sûr, à part les anges de celui qui, yani, l'ange qui va prendre pour venir t'annoncer la bonne nouvelle. Donc je répète, Sourate Fussilat, verset 30. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux au moment de la mort. N'ayez crainte et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Pourquoi Allah Ta'ala a dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui se tient dans le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'il est possible que quelqu'un dise, mon Seigneur c'est Allah, mais il fait tous les péchés du monde. Ça, mon Seigneur est Allah, mais il ne fait pas la salat. Mon Seigneur est Allah, et se tenir dans le droit chemin. Ensuite, les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire? N'ayez crainte et ne soyez pas affligés. Deux choses. N'ayez crainte de ce qui va vous arriver, puisque c'est le paradis qui vous attend, et ne soyez pas affligés pour ce que vous avez laissé. Ce que vous allez laisser comme enfant, comme bien, comme tout cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui yani, va les régir et s'en occuper. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Waqi'a, l'événement, verset 83-91. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, yani, lorsque la personne va quitter cette dunya et que c'est l'agonie et le souffle de la vie, l'âme yani, qui commence à remonter à la gorge, et qu'à ce moment-là vous regardez, la Ta'ala dit comme ça, vous ne le voyez point. Ensuite la Ta'ala dit, pourquoi donc si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre. Pourquoi donc ne la faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Non. Puisque d'après vous, il n'y a pas d'au-delà. Et d'après vous, il n'y a rien après la mort. Pourquoi donc cette âme vous la laissez partir? Si vous êtes puissant, si vraiment vous avez puissance, pourquoi donc vous laissez cette âme sortir? Essayez de la garder, ne pas la laisser sortir du corps. Si vous avez de la puissance ou des connaissances là, qui peut faire cette chose, alors gardez-la.
Ensuite, Allah Ta'ala a dit, si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, Salamun alaik. Lui répond, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Alors sur l'ordre d'Allah, sa tombe est élargie. Des tapis du paradis sont étalés. Une porte du paradis est ouverte, d'où lui parviennent des parfums, et enfin, les bonnes œuvres du défunt se présentent à lui sous la forme d'un bel homme qui invoque Allah Ta'ala pour lui et lui annonce de bonnes choses. Hadith authentique. Donc je répète, lorsque le croyant répondra aux deux anges, que vont dire ces deux anges? Tu as dit vrai. Alors sur l'ordre d'Allah, sa tombe est élargie. On va lui élargir sa tombe dans un hadith de 35 mètres. Naam. Ensuite, des tapis du paradis ils seront étalés dans sa tombe. Une porte du paradis est tout ouverte, d'où lui viennent des parfums. Subhanallah, assis dans sa tombe, il commence déjà à sentir l'odeur du parfum et à voir déjà sa place dans le paradis. Imaginez, subhanallah, alors celui-là, c'est vraiment une ni'ma à la tombe pour le croyant. Pour le croyant, qu'est-ce qui va se passer? Non, subhanallah, les bonnes œuvres que faisait le croyant ici vont se présenter à lui sous la forme d'un bel homme qu'il n'aura jamais vu de plus beau. Et cet homme va invoquer Allah Ta'ala pour lui et lui annoncer des bonnes choses et rester avec lui jusqu'à ce que on va souffler dans la trompe pour se lever pour le jour de la résurrection. La foi au jour du jugement dernier procure de nombreux avantages aux croyants. Par exemple, 1. L'envie et le désir ardent de faire de bonnes actions en espérant la récompense le jour du jugement dernier. Vous avez remarqué, plus notre croyance de la résurrection du jugement dernier, plus nous allons nous évertuer à faire quoi? Faire beaucoup d'actions. Et s'il n'y a pas du tout, il n'y a pas de croyance au jour du jugement dernier, vous allez voir que les gens ne vont rien faire comme mauvaise action pour ce jour-là, ni se préparer. Pourquoi? C'est comme les athées qui ne croient pas. Te dire quoi? Ils vont te dire, moi je veux vivre ma vie. Moi, je veux vivre aujourd'hui. Ce qu'il y a demain, ça ne m'intéresse pas. Donc, il ne va pas se préparer pour demain et encore moins faire de bonnes œuvres. Deuxièmement, ça procure quoi? Le fait de croire au jour du jugement dernier. Ça procure la crainte de commettre des désobéissances et d'être satisfait de les accomplir. Tout cela par peur du châtiment inévitable de ce jour. Non. Donc celui qui croit aussi en ce jour, il va avoir peur. Non. De quoi? De transgresser les lois d'Allah Azzawajal. Avoir peur de lui désobéir. Car il sait que, non, il y a quoi? Il sait qu'il y a un jour qui l'attend et Allah subhanahu wa ta'ala qui va le punir et le châtier à cause de ce qu'il a fait. C'est pour cela que plus on a peur d'Allah azzawajal, moins on fait de péché. Plus on a peur d'Allah azzawajal, moins on fait de péché. Ça ne marche pas les deux. Il n'y a pas crainte d'Allah et en même temps faire des grands péchés et les faire tout le temps. Ça ne marche pas ensemble. Non. Plus on fait de péché, ça veut dire moins on craint Allah Azzawajal. Plus on a peur d'Allah, on le craint, moins on fait de péché. Je ne vais pas dire on n'en fait pas du tout. On n'est pas infaillible. Mais, yani, on n'en fait que peu. Non. Troisièmement, ça donne aussi quoi? Le fait de croire en ce jour,
la consolation du croyant vis-à-vis des opportunités manquées dans la vie d'ici-bas, aux dépens des délices et récompenses qu'il espère dans la vie de l'au-delà. Quand le croyant ici, beaucoup d'occasions lui passent sous son nez, ils sont ratés, des occasions, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Qaddara Allahu ma shafa'al ». Ensuite, qu'est-ce qui apaise son cœur, va apaiser son cœur ? Le fait qu'il sache qu'il y a un jour où il y aura mieux que ce qu'il a perdu ici. Il y a un jour où il va y avoir quoi ? Les grands délices des paradis. Les délices qu'on ne peut imaginer. C'est pour ça que vous trouvez le croyant toujours, il a un cœur affermé. Il est patient, il est endurant. On lui dit, ton palais, s'il a un palais, ton palais s'est brûlé, ou là on va te prendre ton palais. Si tu ne quittes pas ce dîn, on va te le prendre. Ils vont le lui prendre, bien sûr, il va pas apostasier, on va le lui prendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais quand il sera seul en train de pleurer, ou je ne sais pas quoi, il va dire, mais alhamdoulilah qu'il y a demain un jour, Allah Azza wa Jal va me récompenser par ce que j'ai fait. Et je sais que ce qui m'attend là-bas, comparé à ce qu'il y a ici, c'est quoi cette dunya? Comme dans les hadiths authentiques. C'est quoi cette dunya? Cette dunya, si elle valait, comme dans le hadith, une aile d'un moustique, ou bien d'une mouche, il n'aurait pas donné au kafir, Allah Ta'ala n'aurait pas donné une gorgée d'eau. Mais puisque Allah Ta'ala a tout donné au kafir, et lui a donné plus qu'il t'a donné à toi le croyant, ça veut dire que là, cette vie ne vaut rien chez Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça qu'il la donne à tout le monde. Donc, la consolation a dit que Allah Ta'ala fait descendre dans le cœur du croyant quand il pense à demain. Ce qu'il a raté ici ou ce qu'il a perdu ici n'est pas parti dans le vide. Il va en être récompensé demain. Et cette chose, ça console beaucoup. Regardez seulement, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, perd une personne chère à lui. Son père, son fils, son mari, son épouse, sa mère, meurt par exemple. Tu as toujours bien sûr mal, le chagrin et le cœur gros, mais tu as toujours en contrepartie une chose, c'est comme deux ailes. Une aile où il y a le chagrin, le cœur gros, etc. Et là, dans la deuxième aile, qu'est-ce qu'il y a? Le grand espoir que demain, je vais encore rencontrer cette personne. Ce n'est pas terminé, subhanallah al-azim. Ce n'est pas une fin éternelle. C'est une fin juste pour quelques temps. Le temps que je meurs moi aussi et je vais rencontrer cette personne. Lahda. Donc, Hadi, ça joue un très grand rôle. Ça joue un très grand rôle. J'ai perdu la personne la plus chère pour moi seulement pour quelques années, c'est tout. Pour 20, 30, 40 ou 50 ans. Et on va mourir, je vais mourir moi aussi. Et il y aura la résurrection. Et je vais rencontrer encore cette personne. Subhanallah, imagine combien c'est beau, combien ça réconforte. Mon petit-fils que j'ai perdu, n'est pas parti pour de bon. Mais il va y avoir un autre jour où je le verrai encore une fois et je vais vivre avec lui la vraie vie. C'est pas celle-là la vraie vie. C'est l'autre, celle qui attend là-bas. Alors que le kafir, pour lui, quand quelqu'un est mort, c'est terminé. Il ne va plus le voir. Il est devenu poussière pour lui. Las, c'est pour ça que il va rester toute sa vie, quoi, avec un cœur brisé. Quant aux mécréants, ils ont nié l'existence du jour de la résurrection, en prétendant que cette chose-là était impossible. Or, cette prétention, alhamdoulilah, a été réfutée en islam par les textes religieux. Et le sens inné, et la raison, trois choses. Quant aux textes religieux qui prouvent que ce qu'ils disent ne tient pas debout et que par contre il y a un jour de la résurrection, Allah Ta'ala a dit, sourate 64, verset 7, il a dit, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dit, mais bien sûr que si,
Ensuite, il a juré par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscité. Puis vous serez certes informé de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah Azzawajal. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si par mon Seigneur, je jure par Allah, que vous serez très certainement ressuscité, puis vous serez certes informé de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah Azzawajal. D'ailleurs, tous les livres révélés ont évoqué le jour du jugement dernier. Tous les livres. Que ce soit l'évangile, que ce soit la Torah, que ce soit les psaumes de Daoud, que ce soit Naam, les feuilles d'Ibrahim. Il n'y a pas un livre qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'ait mentionné au préalable quoi? Qu'il y a un jour où on va rencontrer notre Seigneur, exalté soit-il. Quant aux preuves qui découlent du sens inné, Allah a montré à ses adorateurs comment il a ressuscité les morts dans la vie d'ici-bas à travers 5 exemples mentionnés seulement dans Sourate la Genèse, le Baqara. Seulement, on va citer, vous allez voir, seulement dans Sourate le Baqara, Allah Ta'ala a donné 5 exemples de 5 personnes mortes, de 5 cas où des personnes sont mortes et il les a ressuscitées. Donc, pour prouver quoi que, ça veut dire que cette chose n'est pas impossible. Elle s'est déjà passée. Au moins 5 fois, seulement dans la sourate de la Genèse. Premièrement, lorsque les fils d'Israël ont dit à Moussa, ont dit à Moïse, ils lui ont dit, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Il leur a demandé de croire. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez, puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate al-Baqara, verset 55-56. Donc vous voyez déjà autant de Moïse, autant de Moussa alayhi salam, des gens n'ont pas cru, et Allah Ta'ala les a fait mourir, ensuite les a ressuscités. Il a dit, puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin qu'ils reconnaissent cette chose, ils reviennent vers Allah. Deuxième exemple, lorsque Benou Israël, les fils d'Israël, se disputèrent au sujet de la personne assassinée, alors Allah leur ordonna de sacrifier une vache, vous connaissez l'histoire dans sorte la vache, puis d'en frapper la victime avec une partie de la vache, avec sa cuisse. Alors la victime retrouva la vie et désigna son meurtrier. Car des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué quelqu'un et ils sont allés le jeter devant la maison de son cousin. Comme quoi, yani, c'est son cousin qui l'a tué. Alors, ils ont commencé à disputer. Les gens disent c'est son cousin, d'autres disent c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Allah Ta'ala a dit à Moïse, dis-leur de dégorger une vache. Et ensuite, ils ont commencé à poser des questions. C'est quelle vache, quelle couleur, etc. etc. Mouhim. Et avec la cuisse de la vache, après l'avoir égorgée, frapper celui, yani, le mort là, le mort qui a été jeté devant la porte de son cousin. Ils l'ont frappé et il s'est réveillé alors qu'il était mort. Il a dit frappez-le le tueur avec une partie de la vache. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes. Ensuite, ce mort a ressuscité et il a montré aux gens qui l'a tué. Il l'a montré de son doigt la personne qui l'a tué, c'est-à-dire c'est celle-là et non pas celui-là. Troisième exemple. Lorsque des milliers de gens sortirent de leur demeure fuyant la mort, alors Allah Ta'ala les fit mourir puis leur rendit la vie. Sourate al-Baqara, verset 243. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers par crainte de la mort. Alors Allah Ta'ala leur dit, mourez. Après quoi, il les rendit à la vie. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Quatrième exemple. Lorsqu'un homme passa par un village dévasté, il s'étonna qu'Allah puisse redonner la vie à ce village. Il a dit un village dévasté pareil.
Allah Ta'ala peut lui redonner la vie. Alors Allah Ta'ala le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Ensuite, il le ressuscita. Il a cité ça dans le Coran. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en lui disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi? Il a dit, je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah Azza wa Jal est omnipotent, capable de toutes choses. Naam. Al-Baqara, verset 259. Cinquième exemple, lorsque Ibrahim alayhi salam demande à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts, Allah lui ordonna d'égorger 4 oiseaux et de les couper, puis d'éparpiller leurs fragments sur les montagnes qui l'entouraient, et ensuite de les appeler. Après cela, les oiseaux se reconstituèrent et se dirigèrent en toute hâte vers Ibrahim. Et quand Abraham dit, « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Allah dit, « Ne crois-tu pas ?»« Si, dit Ibrahim, mais juste pour que mon cœur soit rassuré. » Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Allahu Akbar. Naam. Par conséquent, tous les exemples concrets et réels prouvent la possibilité de redonner la vie aux morts. Comme ce fut le cas de Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, à qui Allah a donné la faculté de faire revivre les morts et de les faire sortir de leur tombeau par sa permission. Sourate Al-Ma'ida, verset 110. Et quand Allah Ta'ala dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, et que, quand je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile, tu fabriquais à partir de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans, alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission, tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais des preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire, ce n'est que de la magie évidente. Naam. Allah Ta'ala a dit, et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. C'est toujours Jésus qui dit, pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez, ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. À part que Allah Ta'ala a donné le don et le miracle à Isa alayhi salam, à Jésus, de ressusciter les morts par la permission d'Allah, pas tout seul bien sûr, par la permission. À part cela, que faisait aussi Jésus alayhi salam? Qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait te dire, yani, ce que tu as mangé. Tu t'assois devant lui, sans, c'est-à-dire, c'est pas la peine qu'il sente qu'est-ce que tu as mangé, sinon tout le monde peut faire ça. Non. Tu t'assois devant lui, ou là en face, ou là loin de lui, il te dit, tu as mangé telle et telle chose aujourd'hui chez toi. Et, mieux encore, il te dit même ce que tu as laissé là-bas comme provision de côté. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné ce don. Naam. Troisièmement, quant aux preuves, maintenant on va citer les preuves par la raison. Que quoi? Qu'il y a un jour de la résurrection. Ces preuves se divisent en deux. Premièrement,
Allah Ta'ala, créateur des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent, a créé la création au départ. Ça? Et rien n'empêche celui qui est capable de créer une chose pour la première fois de la recréer une seconde fois. Ça, je vous l'ai dit la fois passée. Qu'est-ce qui est difficile? De créer la première fois ou bien de répéter la chose? Ce qui est difficile, c'est de créer la première fois. Quant à répéter la chose, c'est facile. Pourquoi? On a déjà la chose et elle est partie, on la répète, c'est tout. Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Sourate Ar-Rum, verset 27. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Et cela lui est plus facile. Vous avez lu ce qu'il a dit? C'est lui qui commence la création, puis la refait, Naam, il la refait. Et cela lui est plus facile. C'est-à-dire, c'est plus facile de la refaire que de la créer. Il a dit aussi, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Naam, c'est une question de répétition. C'est plus facile. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. C'est une promesse que on va être répété encore une fois. Naam, on va mourir. Naam, yani, il ne restera plus rien de nous dans la tombe, sauf une chose avec laquelle on va être ressuscité. Ensuite, on va être répété naam, de nouveau et on va rencontrer notre Seigneur Azza wa Jalla. Et il a dit aussi, dit, naam, il a répondu à celui qui renie le fait que les eaux réduites en poussière puissent revenir à la vie. Naam. Des fois, quand tu parles avec quelqu'un, il veut dire comment? Les eaux vont être, subhanallah, des moulues, hein? Subhanallah, du verbe moudre, vont devenir de la poussière. Ensuite, tu vas me dire, toi, je vais être répété. Je vais ressusciter, c'est impossible. Allah Ta'ala dit, il te dit à cette personne, celui qui les a créés, les eaux, celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Naam. Celui qui les a créés la première fois, il leur redonne la vie. Naam. On ne te demande pas à toi, naam, de redonner la vie aux eaux. C'est pour ça qu'on s'étonne. Comment, Yanni? On peut donner une deuxième fois la vie aux eaux. Toi, tu es en train de parler de qui? Tu es en train de parler des personnes. Moi, je ne peux pas. Ça, c'est vrai. Mon père ne peut pas. L'ingénieur ne peut pas. Le pilote ne peut pas. Mais nous, on est en train de parler du Seigneur. Le Seigneur qui les a créés la première fois. Celui qui a pu la première fois, il pourra une deuxième fois, une troisième fois, et comme ça. Naam. Deuxièmement, regardez un autre exemple. La terre aride, quand c'est la sécheresse, dénudée de verdure, elle redevient fertile et pleine de magnifiques coupes de végétaux lorsque la pluie tombe sur elle. Allah Ta'ala dit, et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humiliée, puis aussitôt que nous faisons descendre de l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui la fera revivre, celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Verset Sourate 41, verset 39. Naam. Fussilat, verset 39. Regardez, j'arrête quelques secondes dans ce verset. Et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humiliée, la terre, regardez, quand c'est la sécheresse, pour ceux de vous qui partent comme ça à la campagne ou aux fermes, etc., et qui ont vu la terre pendant un moment de sécheresse, vous savez comment qu'elle devient? Premièrement, il n'y a rien sur elle. Non, aucune plante. Deuxièmement, des fois, elle se fend. Il y a même des fissures, c'est pas de l'adem. Question de prix, etc. Bien sûr, dans cette situation pareille, elle n'aura aucune valeur. Si tu veux la vendre, elle n'a aucune valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une terre pareille? Ensuite, dès que Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre de la pluie sur cette terre, qu'est-ce qui va se passer? Subhanallah al-Azim, elle se soulève. Elle ressuscite de nouveau. Et voilà que, masha'Allah, Subhanallah al-Azim, c'est devenu tout vert, plein de coquelicots, les coquelicots rouges, Subhanallah al-Azim, les marguerites. Alors que ça fait un chaf, 3 jours là, je suis passé par là, il n'y avait rien, c'était le désert aride. Maintenant, c'est un paradis, avec yani, les plantes, les fleurs,
coquelicot, masha Allah Azza wa Jal. Regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit. Pourquoi il a parlé de la terre? Il a dit, elle se soulève et augmente de volume, c'est-à-dire elle ressuscite. Ensuite, il a dit, celui qui lui redonne la vie, c'est-à-dire à la terre, est certes celui qui fera revivre les morts. C'est la même chose. Comme la terre était morte, et Allah Ta'ala l'a fait ressusciter, toi aussi tu vas mourir, et Allah Ta'ala te fera ressusciter. Il n'y a aucune différence entre les deux. Et même d'ailleurs, nous, on a été créés de quoi? On a été créés de terre. On n'a pas été créés d'argile. Si, notre père Adam, c'est pas d'argile. La même chose. La terre, naam, le sol, la terre, qui khlas, était mort. Maintenant, elle a ressuscité. Subhanallah l'adim. Allah Ta'ala a dit, vous aussi la même chose, vous allez ressusciter comme elle. Naam. Dans un autre verset, il a dit, et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs. Et par elle, l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. Regardez la même chose comme dans l'autre verset. Allah Ta'ala parle de la terre. Naam, nous avons fait pousser des jardins. Naam, les palmiers, ceci, cela. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous avons redonné la vie à une contrée morte, à la terre. Elle dit, ainsi se fera votre résurrection. La même chose. Comme il y a eu résurrection à la terre, il va y avoir résurrection à vos corps. À vos corps. Naam. Il n'y a pas de différence. Un groupe d'égaré a dévié de la voie correcte en reniant les châtiments et délices dans le tombeau, prétendant que cela était impossible du fait qu'il soit contraire à la réalité. En effet, la justification de leur prétention est que lors de la profanation des tombeaux, le mort ainsi que le tombeau lui-même ne subissent aucune modification. Et le tombeau ne s'élargit pas et ne rétrécit pas. Donc, ceux qui ne croient pas au supplice et délice du tombeau, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous dites que quand le défunt est inhumé et qu'il est enterré, si c'est un mécréant qui n'a pas cru, hein, il va y avoir des anges qui vont venir, qui vont le frapper, qui vont ceci, il y a des serpents, il y a qui ont sept têtes, il y a des dragons, il y a ceci, il y a cela. Et vous dites, pour le croyant, non, c'est le paradis, c'est un homme qui va venir lui tenir compagnie, c'est. Bon. Ils vont dire, alors venez avec vous, comme ça ils vont te dire, venez avec vous, allez, venez avec nous, on va ouvrir maintenant un tombeau. On va ouvrir un tombeau d'un mécréant. Non, et vous allez voir que, non, il n'aura aucune trace sur lui de supplice et de châtiment. Alors, où est ce châtiment? Et venez, on va voir, on va ouvrir le tombeau d'un croyant, hein, quelqu'un qui est mort au Hajj. Vous dites que le Hajj est, etc., etc. On va ouvrir le tombeau de quelqu'un qui est mort à Médine. Et vous allez voir que le tombeau ne fait pas 35 mètres ou 70 mètres de largeur, comme vous dites. Hein, il est toujours petit et rétréci. Donc tout ça, c'est yani, mensonge sur mensonge. Comme ça, ils vont dire. Alors, cette prétention, est nulle et non avenue. Premièrement, par les textes religieux. Deuxièmement, par le sens. Troisièmement, par la raison. Premièrement, quant aux textes religieux, le Coran et la Sunna. Les textes religieux prouvant l'existence des supplices et délices dans le tombeau ont été mentionnés précédemment d'une façon très explicite. On a cité tout à l'heure quelques extraits du Coran, hein, et même de la Sunna, que quoi? Que yani, il y a des supplices quoi, du tombeau. Al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de deux tombes. Il dit, ces deux hommes subissent des supplices et ce n'est pas pour un péché grave. Ensuite, il situe, il a dit, si, c'est un péché grave. C'est quoi ces deux péchés qui ont fait de sorte qu'ils ont mérité le supplice du tombeau? Il a dit, l'un d'entre eux, l'une des deux personnes qui était en train d'être châtiée, il a dit, l'une des deux personnes
colporter de la calomnie, la médisance, tandis que l'autre ne se préservait pas de son urine. Tandis que l'autre ne se préservait pas de son urine. Donc, malheur aux personnes qui croient. Malheur, bien sûr, ce sont des croyants, elles ne sont pas des kofaras, ce sont des croyants. Donc, malheur à qui? Malheur à ceux qui, yani, passent leur temps à faire de la médisance et à colporter la calomnie. Et malheur à ceux et celles qui vont aux toilettes, l'âme, et qui ne se préservent pas de leur urine. Ne se préservent pas de leur urine, l'âme. Ça me rappelle une fois que une personne m'avait téléphoné, une sœur. Il m'avait dit que, et je ne sais pas comme ça, on a parlé de cette chose, et on a parlé de, je crois, de ce hadith, je ne sais pas quoi. Ensuite, j'ai compris d'elle que, elle a dit que lorsqu'elle urinait, qu'elle ne se lavait pas les parties intimes, même en temps de menstrues. Et je lui dis pourquoi? Elle me dit pourquoi? Parce que il y a déjà les menstrues, donc quand la personne prend la douche, etc. J'ai dit non, tu te trompes, Orti. C'est pas vrai ça. Non. Pourquoi? Parce que le sang des menstrues et l'urine ne sortent pas du même orifice. Non, le sang des menstrues, c'est quelque chose, on met des couches, etc. Mais après avoir uriné, la personne doit y aller se nettoyer cet endroit. Non, en se lavant ou bien en essuyant, comme vous savez. D'ailleurs, ici, il est en train d'appeler à Salat l'Aïcha. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, comme d'habitude, dans un quart d'heure ou 20 minutes. Je vous donne le micro à Muslim, mais là, si vous avez quelque chose à dire, fadlou barakallahu fikoum avant que je ne parte. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Hayyakum Allah jami'an. Je suis, Inch'Allah Ta'ala, à l'écoute de vos cinq premières questions. Fadlou. Bismillah, wa salam ala rasulullah. Donc, les premières questions, Cheikh. Donc, voilà, la première question, celle de donc, notre frère. Salam alaikum. Donc, le frère dit, je suis en invalidité. Quand il dit ça, ça veut dire au niveau de la sécurité sociale, il peut pas travailler. Donc, il dit qu'il est en invalidité et la sécurité sociale se charge de lui donner son salaire. Et la société dans laquelle il travaille, donc, lui donne aussi un complément. C'est une assurance. Donc, par rapport à son salaire qui a diminué, parce que la sécurité sociale donne un salaire et il n'est pas identique au salaire de base qu'il avait avant. Donc il dit, le frère, cette assurance est obligatoire dans les sociétés. Ça s'appelle la prévoyance. Il dit, sa question, est-ce que l'argent que je perçois dans sa totalité, c'est-à-dire l'assurance et la prévoyance, est licite? Barakallahu fikoum. Deuxième question de Haroun, Oum Haroun 4. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. Est-il conseillé lors de la muqabala pour une femme de se découvrir les cheveux? Barakallahu fikoum. Question numéro 3. Jouairia. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je connais le caractère illicite de la mutuelle et je n'en ai pas d'ailleurs. Alhamdulillah. Je vais sûrement me faire opérer dans... pour un souci de santé et cela va me coûter très cher. L'opération va coûter très cher. Les consultations et les examens médicaux aussi. M'est-il permis dans ce cas de prendre une mutuelle pour une année, c'est tout. Barakallahu fikoum. Quatrième question, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question de Oum Islam 2. Puisse Allah vous élevez en degré, cher. Peut-on dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des erreurs? Jazakumullah khair. Cinquième question, cher, de Amatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. Je voulais savoir, lorsque l'on
lorsqu'on est à faute. Je voulais savoir, lorsqu'on est marié, si les beaux-parents ont des droits sur nous et si nous avons des droits ou obligations particulières envers eux. Barakallahu fikoum. Tfadal Cheikh Bijawad. On va essayer de faire vite au maximum pour deux raisons. La première, il y a beaucoup de questions. La deuxième, on n'a que 50 minutes. Il ne reste que 50 minutes. Donc, pour la première question, la personne qui a posé la question de la sécurité sociale et ce qu'il a dit, même si je ne l'ai pas très très bien compris, mais je pense que Allah Ta'ala alam, que c'est valide, c'est permis ce qu'il fait. C'est permis ce qu'il fait d'après ce que j'ai compris. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pourquoi? Parce que cette aide, ce complément vient de l'État. Vient de l'État. Et quand c'est une chose qui vient de l'État, ce n'est pas comme une chose qui nous allons la faire, puisqu'il dit qu'il y a un truc qu'on doit faire obligatoire. C'est obligatoire. C'est comme chez nous, par exemple, c'est obligatoire que chaque mois, par exemple, on te prenne de ton argent une certaine somme. Pour les cheveux, la muqabala, il n'est pas permis. Il n'est pas permis à une femme, pendant la muqabala, de montrer à l'homme plus que son visage et ses deux mains. Et quiconque dit qu'il est permis qu'elle montre ses cheveux, celui-là doit donner quoi? Doit donner un délit. Et il n'en trouvera pas, même si c'est l'avis de quelque savant. Même si c'est l'avis de quelque savant. Mais il n'y a aucun délit. Pourquoi? Cet homme, c'est un étranger. Il peut te voir, si tu ne le plais pas, et il est parti, et il t'a vu et te connaît maintenant très bien comment tu es faite. Troisièmement, d'ailleurs Allah Ta'ala a cité à qui la femme peut montrer quoi plus de son visage et de ses deux mains et n'a jamais cité le prétendant entre ces personnes. Pour la mutuelle, une année, je dis, si cette mutuelle, on lui donne de l'argent ensuite, cet argent c'est pour de l'aide, pour qu'elle nous aide, pour nous soigner, etc. Et que cette mutuelle c'est de l'État, c'est de l'État. Ce n'est pas une société privée ou là qui va prendre quoi? Qui va prendre de l'argent que tu vas donner pour qu'elle fasse des gains, la loterie. Tu donnes toi de l'argent, l'autre de l'argent, l'autre de l'argent, ils s'abonnent et ensuite personne ne tombe malade. Personne ne tombe malade et elle gagne des millions comme ça. Mais si ça vient de l'État et nous on cotise, ensuite c'est juste pour nous aider, pour des soins, etc. Les savants ont dit que c'était permis, bi'idhnillahi ta'ala. Pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait des erreurs, déjà dire cette phrase, c'est un peu mauvais. On doit dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne fait jamais de faute quand ça a rapport avec la religion. Quant à si ça a rapport avec la dunya, c'est un homme comme nous. C'est un homme comme nous dans la dunya. Il peut te dire, par exemple, la couleur noire, c'est mieux que le vert ou là, alors que le vert, c'est mieux. Mais ça, ce sont des choses de la dunya. Comme il a dit une fois, il a donné une nasiha à certains gens, en ce qui concerne un palmier, et ils ont fait ce qu'il leur a donné la nasiha, et ça n'a pas marché. Le palmier n'a pas donné de fruits, et comme ça, ça, c'est des choses de la dunya. Mais, dans la sharia, dans la loi d'Allah, dans la législation, jamais il ne fait d'erreur, il est infaillible, bi'idhn al-azawajal. Quant au droit des beaux-parents, c'est quoi? C'est le respect. On doit les respecter. On doit essayer au maximum d'avoir avec eux une bonne relation. Mais Allah Ta'ala ne les a pas fait rentrer dans les personnes qu'on doit, par exemple, auxquelles on doit obéir. Mais on doit obéir au mari. Mais maintenant, pour que ma relation soit aussi bien avec mon mari, il faut que ma relation soit bien avec ses beaux-parents. Maintenant, si eux, ils font des problèmes, ou là, ils ne veulent pas de moi, ou là, yani, je me retire, et, alhamdoulilah, naam, c'est pas une obligation pour moi de leur obéir, ni d'avoir de lien avec eux, si eux, ils veulent couper. Si eux, ils veulent couper. Mais tant que la relation est bonne avec eux, et que ça marche, alhamdoulilah, j'essaie de la garder, de la consolider, car la relation avec les beaux-parents, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consolide la relation avec le mari. Wallah Azza wa Jalla a'lam. Tfadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah.
Grave, Inch'Allah, je n'arrivais plus à enlever le raid. Grave. Donc je lis les questions, Inch'Allah. Donc question de Selma. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Salam à toutes les sœurs et les frères dans le salon. Voilà ma question. J'aimerais savoir, mon bébé est mort à 3h30 après sa naissance. À l'époque, je n'étais pas musulmane. Comme on le sait, tous les enfants naissent musulmans. J'aimerais savoir où se trouve mon fils à l'heure actuelle. Barakallahu fikoum, Cheikh. Question 2, c'est notre vie. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais savoir si un homme qui s'est remarié avec une seconde épouse a le droit de cacher cela à ses enfants, à sa famille en général et à la communauté. Ce mariage est effectif depuis 2 ans maintenant et sa première femme vient de découvrir ainsi qu'un de ses enfants. J'ajoute qu'il s'avère que ce mariage est une grande fitna au vu d'événements récents, peut-être même illicites. Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question de Minhaj al-Haq 13. Salam alaikum ya Cheikh, qu'Allah vous récompense. Je dois sortir le zakat sur mes bijoux en or, mais je ne sais pas comment faire. De plus, je connais le poids exact de mes bijoux, mais je ne sais pas comment les convertir en argent. Pouvez-vous m'expliquer, barakallahu fikoum? Question de Soukaina 77. Salam alaikum Cheikh, qu'Allah vous récompense, vous et les admins. Pouvez-vous nous dire à quel moment n'est-il pas permis de lever la main pendant les mains pendant les invocations, comme par exemple pendant le Jumu'ah, pendant le Taraweeh, lors de la prière, seul, etc. Barakallahu fikoum. Question de Wal'asm. Assalamu alaikum, Cheikh. J'aimerais savoir que disent les savants sur le jugement d'une fillette de 10 ans qui est pubère et qui vit en France. Doit-elle rester à l'école ou doit-elle sortir de l'école et porter le voile? Car son père veut qu'elle continue l'école sans voile et sa mère veut l'enlever de l'école et lui mettre le voile. Entre parenthèses, en France, le voile n'est pas autorisé dans les écoles. Barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour la première question, inshallah ta'ala, pour le bébé qui est mort, vous savez, il y a le hadith donc, qui se trouve dans le Bukhari, qui dit que les enfants des musulmans, quand s'ils meurent avant la puberté, ils sont où? Ils sont chez Ibrahim, alayhi salam, qui leur apprend le Coran devant la porte du paradis, adossé à un arbre. Adossé à un arbre, en face du paradis. Il apprend aux enfants le Coran jusqu'à ce que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, fasse la résurrection. Pour la seconde épouse, la deuxième question, c'est Afwan, Afwan. C'est permis en islam, c'est-à-dire que c'est permis en islam à un homme de se marier sans quoi? Sans yani, la connaissance de la première. Sans la connaissance de la première, c'est permis. Pourquoi? Car ce n'est pas une condition qu'elle accepte pour qu'il lui demande son avis. Ce n'est pas une condition. Mais les savants ont dit, hein, comme d'ailleurs il y a un fatwa dans le site du Cheikh Mohamed Firkous Hafidhahullah, les savants ont dit, de préférence, il lui dit. De préférence, il lui dit, pourquoi? Pour éviter les fitnas. Pour éviter les fitnas. Ensuite, s'il va cacher ça à vie, ça risque d'être grave. Pourquoi? Parce que il se peut que, astaghfirullah, ses fils, un de ses fils, va connaître une de ses filles avec la deuxième. Et il va l'aimer ou là. Donc c'est pour ça que yani, c'est vraiment grave s'il veut cacher toute sa vie. Donc en règle générale, c'est permis, mais les savants disent que c'est mieux. Ça rentre dans le bon comportement, hein, de dire à sa femme, voilà ce que je veux, etc. Et voilà ce dont j'ai envie. Ensuite, je vous mettrai le lien, inchallah, ou bien vous rentrez dans le site de www.faircourse, vous trouverez que c'est écrit même en français. Pour la zakat en or, pour la zakat, pour celle qui a des bijoux, je lui dis, si tes bijoux, dépassent 85 grammes d'or, faudrait cette condition. Faudrait que ça dépasse 85 grammes d'or. Si ça dépasse, alors qu'est-ce que tu fais? Tu demandes au bijoutier combien fait le gramme d'or. Combien fait le gramme d'or? Je vais donner un exemple très simple pour que cette personne comprenne. Un exemple très simple. Supposons que cette personne a 200 grammes d'or. Ses bijoux, elle les a pesés, ils font 200 grammes d'or. Et supposons que elle a demandé au bijoutier
C'est combien le gramme d'or? Supposons, il a dit, juste un exemple, là, supposons, il a dit 10 euros. 10 euros le gramme. Donc, elle a combien? Elle a 200 grammes. Ça? Donc, 200 grammes multiplié par combien? Par 10. Ça donne combien? Ça donne 2000. Ça donne 2000 euros. 200 multiplié par 10, ça donne 2000. Des 2000 euros, on va sortir 2,5. 2,5%. Sur 100 euros, on fait sortir 2,5. Sur 1000, on fait sortir 25 euros. Et sur 2000, combien on va faire? On va faire sortir 50 euros. Donc elle donnera 50 euros si elle a 200 grammes d'or. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ici, bien sûr, ça coûte 10 euros le gramme. Donc c'est comme ça qu'elle fait, Inch'Allah. Si elle n'a pas compris, elle me redit. Quand est-ce qu'on lève la main? Quand est-ce qu'on ne la lève pas? Les savants ont dit que le fait de lever la main ou ne pas la lever, ça divise en quatre sortes. La première situation où il est interdit de lever la main. Ou par exemple, quand on est dans la salat. Est-ce que quelqu'un, par exemple, dans la salat, lorsqu'il va dire tahiyatullah, zakiyatullah, par exemple, il arrive à la fin. Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam wa min adab al-qabr. Est-ce qu'ici, il va lever la main pour se réfugier auprès d'Allah? Ça, c'est interdit. S'il le fait, yani, il a même un péché. Non. Et c'est interdit aussi, par exemple, Yom al-Jumu'ah, quand il est sur le mimbar, l'imam. S'il fait les doigts, il lève son doigt, c'est tout. Et ceux qui l'écoutent n'ont pas le droit de lever les mains. Ça, c'est l'interdiction. C'est permis, par exemple, c'est bien aussi de le faire, par exemple, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse tomber la pluie. Et pendant Safa ou le Marwa. Naam. Et quand on est sur Arafah. Naam. Tout ça, c'est bien de lever les mains. Et ensuite, dernier cas, ou quoi? Où, yani, ce n'est ni interdit, ni conseillé. Yani, sharia, la sharia, c'est tu. C'est tu, c'est nadi. Ni c'est bien, ni c'est pas bien. C'est quand est-ce? C'est dans tous les autres cas. Par exemple, je suis maintenant à la maison, je pense à un problème, je veux faire des doigts. Est-ce que dans ce cas en général, c'est bien de lever la main ou ne pas lever? La base, c'est de lever la main. La base dans le doigt, c'est de lever la main tant qu'il n'y a pas une interdiction. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a montré dans le hadith où il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, comment on dit, a honte que son serviteur lève vers lui ses mains et yani pour faire des doigts, il les lui rend vides. Il les lui rend vides. Donc, comme ça, en général, à chaque fois que j'ai envie de faire des doigts, je lève mes mains et je fais des doigts. Sauf si je suis dans une situation qui ne le permet pas. Comme à l'intérieur de la salate, ou bien derrière la salate, quand je termine la salate, je veux lever les mains, ou si c'est interdit, quand je suis sur le mimbar. Hein, et yani, si je vais inventer aussi une chose. Je vais inventer une chose, je vais dire à chaque fois, par exemple, que je vais au cimetière, je vais lever mes mains. À chaque fois, je vais lever mes mains et comme ça, je vais inventer des choses. Non. Qu'est-ce qu'il reste dans ces questions? Pour l'enfant qui est pubère, l'enfant qui est pubère et qui part de l'école, non. En ce qui concerne la puberté, ce n'est pas une condition, yani qu'elle atteigne 15 ou les 16 ans ou les 13 ans là, l'essentiel. Il y a des signes qui montrent que la personne est pubère. Si la personne est pubère, non, on doit, yani, quoi, on doit, yani, lui recommander le voile. On doit la voiler, non, et voir comment trouver la solution pour, yani, l'éloigner de l'endroit où elle risque de désobéir à Allah subhanahu azza wa jal. Non. Tfadlal.